Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers étudiants de la parole de Dieu, les enfants du grand roi, merci d'être là, bonsoir à vous, où que vous vous trouviez, et que le Seigneur vous bénisse, la paix et la grâce du Seigneur abonde dans vos familles, dans vos maisons. Merci de me recevoir encore aujourd'hui, ce mercredi, pour notre étude biblique de mercredi. Euh, le 20 juillet 2022 mon nom c'est baron je suis euh, pasteur de bridge of grace church qui vous amène à cette étude biblique de mercredi nous allons euh certainement passer d'agréables moments ensemble encore ce soir en partageant la parole de dieu et nous avons des très bonnes choses à se dire aujourd'hui et je voudrais que nous commençons d'abord rapidement par inviter les autres à participer à notre étude biblique on le fait en les invitant online comme d'habitude en partageant le lien avec eux ben c'est ce que nous allons faire là sur les médias sociaux sur facebook d'abord là <coughs> Euh, et puis euh, voilà euh, sur youtube et nous partageons également euh, sur euh, whatsapp nous prenons le lien nous le partageons sur notre euh, euh, statut euh, et voilà et nous l'envoyons nous aux, aux amis qui sont connectés avec nous euh, de cette manière là euh, sur les réseaux euh, sociaux c'est un instrument puissant pour partager la parole de Dieu. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, à nos claviers, s'il vous plaît, nous allons partager. Je vais partager déjà. J'ai fait la même chose déjà ici. Alors, je vous invite à la parole de Dieu. Mercredi. Je crie ce mercredi, j'écris ce mercredi. Ce mercredi, je vous invite, je vous invite à la parole l'étude de la parole au commencement était la parole la parole était avec dieu la parole était avec dieu nous le savons donc il faut toujours commencer par la parole je vous écris je vous invite voulais je dire à l'étude de la parole et je leur demande partager de partager partager s'il vous plaît partager le lien s'il vous plaît le lien s'il vous plaît il faut toujours s'il vous plaît les autres hein, quand vous leur demandez des choses à faire hein, il faut toujours leur s'il vous plaît voilà ce mercredi je vous invite à l'étude de la parole Partagez les liens avec les autres s'il vous plaît voilà j'ai copié euh, les textes que j'ai voilà boum c'est partagé alors là je vais maintenant sur euh, sur euh, whatsapp je vais inviter à euh, les autres euh, au moyen de, euh, de youtube le, je prends le lien youtube je le partage avec euh, les autres voilà nous sommes sur la colombe également voilà tous les amis de la colombe veuillez aussi euh, partager les liens avec les autres et sur euh, Gospel influence, nous partageons sur Pont de Grâce à Kinshasa. Nous faisons de même, nous partageons, partageons. There we go, boom, share, ok, nous partageons le lien. Bridge of Grace. To Chris et voilà je partage avec différents groupes que j'ai sur YouTube de cette manière ça permet de à plusieurs de de se joindre à nous voilà Pont de Grâce notre cellule Pont de Grâce à Kinshasa Pont de Grâce voilà Partageons. Euh, je partage avec les serviteurs du Grand Roi, de notre frère leader, euh, le coordonnateur Gisela Gallo. Voilà, boom. On partage avec eux. C'est parti. Voilà. Et là, je vais partager encore avec les autres share, avec jam, avec praxis, avec praxis, C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de partager. On est en train de partager les liens avec les autres pour les inviter euh, à participer à notre euh, séance de ce soir d'étude de la parole. Alors, faites de même, s'il vous plaît, là où vous êtes. Euh, prière de faire la même chose. On invite les autres à venir se joindre à nous. Bon, there we go. Then I go like module. avec les amis les bénédictions c'est partage hein? faut pas être égoïste <laughs> euh, bonjour 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 amanda merci d'être là déjà merci à toi que Dieu te bénisse ma soeur amanda voilà si vous êtes là veuillez signaler votre présence hein? si vous êtes déjà connecté veuillez signaler votre présence s'il vous plaît que partager, on partage, on invite les amis à participer ensemble avec nous. Ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes là, veuillez vous signaler, veuillez signaler votre présence, s'il vous plaît. Merci, merci d'être là. Euh, le bien-aimé Joshua Kipulou, bonjour à toi, merci d'être là. Pasteur Emery Shalom Malavenghi depuis Brazzaville en République du Congo, merci d'être là, pasteur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Voilà, nous sommes là, la sœur Reine Pam. Est aussi déjà là depuis la Martinique merci ma soeur que dieu te bénisse toi et ta famille voilà on ne fait que partager avec les amis ça sur le statut et on invite les autres et ben ils vont se joindre à nous. Le bien-aimé Mardochekoya, merci d'être là aussi. Euh, bonjour à toi, bonsoir à toi. Euh, que le Seigneur te fasse du bien. Voilà chers amis. Merci encore une fois de plus euh, de répondre à ce rendez-vous hebdomadaire de notre étude biblique de mercredi. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 20 juillet 2022. Quel plaisir et quel honneur de vous recevoir et de partager avec vous ensemble, tous ensemble la parole de Dieu. Alors nous allons nous incliner dans la prière pour recommander notre séance entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de nous guider en toutes choses. Merci. Nous allons prier. Dieu notre Père, quel bonheur, quel bonheur tu nous as accordé. Tu nous as accordé de te connaître, de connaître celui que le monde n'a pas connu. Celui que le monde a rejeté, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci de nous, nous l'avoir révélé par le Saint-Esprit au travers de la régénération que tu nous as accordée gracieusement. Et merci encore pour ce temps où nous voulons nous plonger dans l'étude de la parole afin de le connaître mieux. Nous voulons te connaître Seigneur, car il n'y a pas plus grand bonheur que de te connaître et de vivre ensemble en communion avec toi. Merci pour ce bonheur. Ce bonheur inimaginable, ce bonheur qui n'a jamais monté au cœur de l'homme, que les oreilles n'ont jamais entendu, dont les oreilles n'ont jamais entendu parler, que les yeux n'ont jamais vu, ces choses qui sont cachées aux yeux de ce monde, de ce monde Seigneur, mais que tu as révélées à nous, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il t'a plu, dans ta souveraine grâce, de les révéler à nous. Et nous disons, merci infiniment, merci infiniment. Ce soir encore, Seigneur, qu'il te plaise par ton esprit, de nous guider dans l'étude de la parole et de planter la vérité dans nos cœurs, Seigneur, dans nos âmes. Et nous aider à te connaître de façon irréversible. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour cette soirée. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci. Euh, merci à vous euh, euh, d'être là ce soir ensemble. <laughs> Avec nous, merci à notre sœur Chanti Kidiadi, qui est aussi là ensemble avec nous en ligne. Notre sœur Pam, merci beaucoup. Merci de bénir aussi ma famille. <laughs> Glody Zamba, l'homme de Dieu, merci beaucoup d'être là. Mon frère Glody depuis Kinshasa, merci. Je vois la sœur Martine aussi qui répond, qui dit qu'elle est là. Merci d'être tous là au rendez-vous. Alors, nous allons retourner à notre étude de l'épître aux Éphésiens. Nous sommes en train de cogiter, de réfléchir, de scruter les Écritures dans ce, cette lettre que l'apôtre Paul avait écrite 2000 ans passés à cette église qui se trouvait à Éphèse, c'est-à-dire qu'il écrivait aux croyants, à ceux qui avaient donné la vie à Jésus-Christ, qui vivaient dans la vie, euh, dans la ville, voulais-je dire, de Éphèse. Et le but pour lequel il leur écrivait, c'était de les... Euh, euh, leur euh, les aider à comprendre de plus en plus euh, l'évangile de Jésus-Christ et à s'y attacher à s'y attacher et c'était une église merveilleuse qui avait été euh, implantée vous le savez euh, par euh, euh, par l'apôtre euh, par euh, les autres apôtres et que l'apôtre Paul est en train ici, en train d'accompagner de, 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 dans la connaissance de la parole de Dieu, donc dans la connaissance de l'évangile parce que comme nous l'avons dit vous savez ça fait euh, pr pratiquement euh, depuis le mois de novembre si je ne m'abuse euh, je crois le mois d'octobre de, de l'année de, de, de 2021 que nous sommes en train d'étudier cet, cet épître et nous venons à peine de terminer le chapitre premier, le, le mercredi dernier, nous en étions au verset 23, qui est en fait le dernier verset de, du premier chapitre de cette épître glorieuse adressée aux Éphésiens par l'apôtre Paul. Alors, et comme nous l'avons indiqué, eh ben, il y avait un problème sérieux euh, dans l'Église euh, au premier siècle. Et ce problème, c'était justement cette sorte de conflit doctrinal qui existait entre. Euh, les judaïsans ou les juifs qui s'étaient donnés à Jésus-Christ, qui avaient euh, accepté l'évangile de Jésus-Christ, et les non-juifs, c'est-à-dire euh, les, les personnes qui n'étaient pas issues de la tribu juive hein, ou de la nation juive, euh, qui avaient elles aussi reçu euh, l'évangile et qui se sentaient comme, un peu comme pour dire, euh, frustrés dans, euh, dans leur identité de croyants parce qu'ils estimaient qu'ils étaient des citoyens de seconde classe dans le royaume de Dieu et que les citoyens de la première classe seraient les juifs qui, de qui leur venait l'évangile ou le Messie lui-même, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Jésus était un juif, bien entendu. Alors, certaines personnes qu'on appelait des judaïsants dans cette église dite de la première heure, euh, aller de lieu en lieu, euh, principalement dans les régions euh, non juives où les églises euh, telles que euh, Éphèse, Galate, en euh, Galatie, en Éphèse, en, en Philippe et, et, et ailleurs, ils allaient enseigner aux croyants euh, non juifs nouvellement convertis à la foi chrétienne que leur foi en Jésus-Christ ne suffisait pas, n'était pas suffisante, qu'il fallait euh, ou également qu'il soit euh, euh, qu'ils se, 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 se soumettent à la loi euh, de Moïse. C'est-à-dire qu'il devait... Euh, se soumettre aux exigences de la loi de Moïse, notamment euh, la circoncision, l'observance du sabbat, c'est-à-dire le samedi, euh, il ne devait pas travailler, et aussi il devait aussi observer un certain régime alimentaire qui, dev, qui consistait à s'abstenir des, des aliments euh, déclarés impurs par la loi de Moïse, notamment le porc. Vous voyez Alors, euh, et c'est judaïsant ou c'est entre guillemets, croyants juifs qui avaient, qui étaient venus au christianisme, allaient des lieux en lieu leur demandant, demandant aux non-juifs euh, d'ajouter à leur foi euh, l'observance de la loi de Moïse, sans laquelle euh, ils ne seraient pas totalement euh, acceptés par Dieu. Voyez-vous Et c'est dans ce climat-là que l'apôtre Paul va aussi euh, écrire cet épître pour... Euh, euh, préciser les choses, euh, leur démontrer qu'en fait, euh, qu'une telle exigence, exigence faite aux non-juifs était tout simplement une corruption de l'évangile. Une corruption de l'évangile et qu'il ne fallait absolument pas que le croyant soit euh, sujet euh, à une telle exigence. Alors, euh, et quand l'apôtre est en train d'écrire ici, euh, dans l'Épître aux Éphésiens, euh, déjà d'entrée de jeu, dans ce premier chapitre qui a fait l'objet de notre réflexion pendant, euh, je le disais tout à l'heure, euh, depuis le mois d'octobre de, dernier, donc ça fait pratiquement euh, 3 plus 6, donc ça fait pratiquement dix mois que nous sommes en train. Nous sommes au chapitre premier, en train de l'éplucher euh, verset par verset et mot à mot pour comprendre mieux, parce que il en va aussi de notre intérêt en tant que croyants non juifs. Nous, au même pied d'égalité que les Éphésiens et les Philippiens et les Galates et les autres, nous avons besoin de comprendre euh, cette épître ici parce qu'elle euh, nous aide à pouvoir comprendre d'une part les origines du salut, les implications du salut et, et le but même de ce salut-là et surtout dans, en ce qui concerne la suffisance de la personne de Jésus-Christ à accorder le salut, c'est-à-dire que euh, la suffisance de la foi en Jésus-Christ pour pouvoir euh, recevoir le salut de Dieu, en jouir. Et en bénéficier considérablement. Euh, alors, c'est pour cette raison-là, bien aimé mon Seigneur, que ce chapitre déjà, ce chapitre premier, euh, nous a comblés de grâce et de faveurs euh, en arrivant à comprendre <laughs> euh, le, 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 la profondeur de ce que l'apôtre enseigne ici au premier chapitre déjà que nous venons. De terminer. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est résumer le livre, résumer le chapitre, et nous aider à, à nous situer par rapport, à circonscrire en fait l'enseignement de base clé de, de ce chapitre avant de passer au second chapitre. Pourquoi Parce que il est possible que en ayant passé trop de temps dans les détails d'analyse de verset par verset, nous ayons euh, que le temps que ça mis et que nous avons mis à, à parcourir ce premier chapitre verset par verset peut risquer de nous, nous amener à, à rater la pensée générale qui, est, euh, qui ressort ou qui émerge de ce, de ce premier chapitre. Donc il est important, après avoir fait cette analyse verset par verset, avant de passer au chapitre second, que nous puissions faire une sorte de survol sur le premier chapitre pour tirer de façon euh, résumée les idées principales, ou je dirais même l'idée principale, la thématique principale de, de ce premier chapitre. Et ainsi... Avec ces, cette sorte de résumé, nous allons être à mesure de comprendre comment l'apôtre est passé du premier chapitre au second chapitre et quel est l'argument qu'il est en train de développer ici. Parce que c'est cela que nous voulons comprendre. Parce que nous sommes profondément convaincus que la compréhension des Écritures par nous euh, conditionne notre, la qualité de notre vie spirituelle. C'est-à-dire. Notre qualité de vie spirituelle dépend de la compréhension que nous avons des Écritures. Donc personne ne peut simplement être un homme de prière et avoir une vie spirituelle qualitative. Il lui il faut également comprendre les Écritures. Et, et ça, c'est dangereux parce que c'est le danger que je vois aujourd'hui l'Église en train de courir. C'est le danger d'innover une spiritualité qui est... Essentiellement fondé sur la prière. Sur la prière. Le christianisme n'est pas d'abord une religion de prière, c'est une religion de la parole. C'est-à-dire que euh, euh, le christianisme n'est pas possible, ne peut pas être vécu sans que l'on prenne d'abord connaissance des Écritures, de ce que les Écritures disent, parce que la foi dont il est question dans le christianisme vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible ajoute en disant que ces choses parlant donc de l'évangile, ce sont des choses qui sont jamais montées au cœur de l'homme, que les yeux n'ont jamais euh, vu, que les oreilles n'ont jamais entendu, ces choses euh, qui appartiennent à l'évangile. Car si le monde savait que en crucifiant le Seigneur de gloire, il perdrait de la manière dont il a perdu à la croix, eh bien, il ne l'aurait pas crucifié. Donc le christianisme, c'est une religion de la parole. C'est-à-dire que même si on vous donnait mille ans à vivre et à prier, si Dieu n'entreprend pas de façon unilatérale à venir à nous et se dévoiler, c'est-à-dire ôter le voile de manière à ce que... Euh, le voile qui était sur nos yeux ou sur notre entendement, si nous pas ce voile-là, nous ne serons pas à mesure de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut et où il veut nous amener. Vous voyez Alors, c'est pour cela qu'il est important que, de comprendre les Écritures, car, car <laughs> vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un danger dans une sorte de nouvelle spiritualité qui est développée aujourd'hui dans l'Église, qui consiste à, à faire, à, à, le mot me vient en anglais, à bypass, <laughs> à, à faire fi des écritures, c'est-à-dire à faire fi des écritures et à se lancer directement dans une activité spirituelle de la prière et du prophétique qui n'est pas fondé sur les Écritures. Et ça, c'est tout simplement dangereux. C'est ça, et c'est ça tout le besoin et le but que nous avons à, euh, à, à faire cette étude biblique de mercredi de façon euh, minutieuse, en nous attardant sur les Écritures, parce que nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible de connaître les Écritures. Il n'est pas possible de connaître les Écritures. Je voulais dire, il n'est pas possible de connaître Dieu sans les Écritures. Sans les Écritures. Et aujourd'hui, personne ne peut recevoir une révélation qui soit supérieure à celle qui est rendue disponible euh, dans les Écritures avec l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que nous nous attardons. Alors c'est pour ça que je disais que nous avons passé dix mois à éplucher ce chapitre premier verset par verset. Alors, il est temps pour nous de quitter un peu les détails et d'aller en auteur pour regarder maintenant le chapitre en auteur. Regarder le chapitre en auteur et comprendre ce qu'il enseigne au sujet du salut. Et comprendre ainsi comment l'apôtre va partir du chapitre 1 au chapitre 2. Et nous ferons la même chose quand nous arrivons à la fin du chapitre 2. Nous allons toujours remonter en hauteur. Nous remontons en hauteur et nous regardons d'où nous venons, chapitre 1, chapitre 2, et ainsi de suite, nous, nous allons chapitre par chapitre jusqu'à la fin. Et ça, ça va nous donner une vue, euh, je voulais dire, excusez-moi, panoramique euh, de, des Écritures et une vue profonde aussi des Écritures. Rappelez-vous, comme je l'ai toujours dit, L'heure est à la profondeur et à la précision. Et, et, et la vie demain matin, la vie la semaine prochaine, la santé, la, notre santé, notre famille, notre futur dépend de notre rigueur dans le traitement des Écritures. Et parce que c'est d'elles que nous viennent toutes les bénédictions de Dieu. Et vous en doutez bien, ce chapitre 1. A été question, dans ce chapitre 1, il a été question des bénédictions. Les bénédictions, en fait, que nous désirons tous avoir. Les bénédictions que nous désirons tous avoir. Et la Bible nous les présente ici, dans ce chapitre ici, et d'une façon merveilleuse. Et je voudrais nous reconduire là-dedans, euh, de façon euh, en, 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 en termes de survol, pour nous donner une vue panoramique, une vue d'ensemble. Euh, du chapitre avant de nous voir la semaine prochaine au chapitre 2. Merci à nos bien-aimés qui, qui se joignent à nous, nos frères, Mar, frères Mardoché-Koy. Merci à notre bien-aimé patrimoine de souvenirs. <laughs> Je ne sais pas qui est-ce. <laughs> patrimoine de souvenirs, merci d'être là depuis Kinshasa en direct. Merci. Et nous avons notre frère Joël Manzo Nzikila. Merci beaucoup d'être là. Mais finalement, Manzo devient très fidèle à l'étude publique de mercredi. Hein. Merci Manzo d'être là. Merci beaucoup euh, notre sœur Jodibi, euh, Maman Jodel. Merci d'être là. Et à tous les bien-aimés, merci. Hervé Luleka, salut à toi, mon, mon frère. Merci d'être là. Nous sommes ensemble en train de, 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 de décortiquer euh, cet épître ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord lire le texte, et après la lecture, nous allons en parler. Voilà. Euh nous allons, dans, nous allons donc à, à l'épître aux Éphésiens, euh, au chapitre premier. Je vais lire tout le chapitre. Hein, et voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordés en son bien-aimé. » Verset 7. « En lui... Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. <laughs> Wonderful. Soyez les bienvenus, Cortelia, Cynthia, bonsoir à toi. Euh, Miraline, ma soeur Miraline, depuis Dallas, Texas, merci d'être là. Et Odanès Oralus, pasteur Baron Bala, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce travail. Merci beaucoup de me bénir, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, là, nous venons de lire le premier chapitre dans son intégralité. Ce chapitre, nous l'avons déjà parcouru dans les détails, donc euh, nous avons à peu près, je crois, presque une trentaine de vidéos, une trentaine de vidéos, de deux heures chacune sur euh, le chapitre. Et si vous nous rejoignez seulement pour la toute première fois, eh bien voilà, toutes ces vidéos sont disponibles sur notre euh, chaîne euh, YouTube, que je vous prie, si vous ne l'avez pas encore fait, de pouvoir vous abonner à celui-ci, à celle-ci, c'est-à-dire à notre chaîne Gospel Influence Ministries, de manière à recevoir régulièrement nos vidéos et surtout nos notifications lorsque nous sommes en live. Alors, le chapitre premier ici est vraiment un chapitre clé pour nous, parce que il nous permet d'avoir, de connaître les origines. J'ai pris note de la chose, j'écris ça ici. Je voudrais revenir à mes notes. les origines, les bénéfices et le but du salut chrétien. Dans ce chapitre ici, s'il y a une idée générale qui est centrale, c'est que nous avons vu où l'apôtre est en train d'exposer les origines d'où vient le salut dans le christianisme et quels sont les bénéfices de ce salut et quel est le but suprême de ce salut-là. C'est ça l'idée centrale qui est reprise dans ce premier chapitre ici. Et c'est ce que l'apôtre veut que nous comprenions et voulait que les chrétiens en Éphèse comprennent. Et en comprenant ces trois euh, choses, c'est-à-dire l'origine, les bénéfices et le but du salut, nous allons, ils, ils allaient donc euh, être à mesure de résister la tentation légaliste que le judaïsant leur avait apportée en leur demandant qu'en plus de leur foi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qu'ils ajoutent l'observance de la loi dite de Moïse et cette exposition au chapitre premier que l'apôtre fait de l'origine des bénéfices et du but suprême du salut, répond considérablement à cette réalité-là. Ou les aide à répondre à, cette pro à ce problème-là, et du coup à se débarrasser de ce sentiment de frustration, de se sentir euh, euh, qu'ils euh, qu éprouvaient ce sentiment euh, d'être citoyens de la seconde classe, dans le royaume de cieux. C'est un peu comme vous montez à bord d'un avion, vous voulez, vous voulez voyager de, 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 de Seattle ici jusqu'en France ou à Kinshasa par exemple, vous entrez euh, dans l'avion, il y a de ceux qui sont dans la première classe, dans la business class et ceux qui sont dans la classe économique, Ou là, il y a tout, tout le monde. Où, euh, en, en, en lingala, on dit batata bama bandeko, c'est-à-dire les frères et sœurs et tout le monde là-dedans, dans la classe économique. Mais il y a la classe de ceux qui, sont dans, euh, il y a ceux qui sont dans la première classe qui jouissent des bénéfices ou des privilèges particuliers et d'un traitement particulier à cause de cette position-là. Et ils payent pour cela. Vous voyez Alors dans le christianisme et dans cette église primitive, ou dans cette église, je n'aime pas beaucoup le, le terme primitive, comme si l'église était primitive à l'époque et elle a connu un développement, une évolution, elle est devenue aujourd'hui une église, dirons-nous, contemporaine ou une église évoluée ou désévoluée, etc. Non, tel n'est pas le cas. L'Église est le corps de Christ et reste la même et tout le monde a une place égale dans cette Église-là. Il n'y a pas de citoyens de première classe et de seconde classe. Et ce que l'apôtre est en train d'expliquer ici permettait aux Éphésiens de se débarrasser totalement de ce sentiment-là et de, de, de penser qu'en en fait, il y a… Les juifs sont les premiers, ce sont les privilégiés, parce que ce eux qui... A, Dieu s'était révélé d'abord premièrement à eux. Ils ont toute l'histoire de, de leur marche avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, euh, nous qui sommes venus dans le Nouveau Testament, nous sommes les derniers arrivants. Donc, euh, nous n'avons pas le même privilège, le même statut que eux. L'apôtre met ses préoccupations-là au, au lit complètement. C'est-à-dire qu'il nous débarrasse, nous aussi aujourd'hui de ce sentiment là et c'est pour cela que nous devons aussi en ce qui nous concerne aujourd'hui les chrétiens faire très attention dans notre manière de regarder israël dans notre manière de, 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 de comprendre l'israël et la place d'israël dans, dans, dans l'économie de dieu dans le royaume de dieu et par rapport à nous et nous devrions de ce fait ainsi euh, comprendre le sens de notre tourisme vers israël. Il y a plusieurs chrétiens qui estiment que non, parce qu'ils ont déjà été en Israël une fois, ils ont voyagé là-bas, ils se sont baignés dans le Jourdain, il y en a qui se sont fait rebaptiser dans le Jourdain, il y a même des pasteurs qui s'en prévalent aujourd'hui. Non, j'étais en Israël, on m'a encore baptisé là, on a baptisé vraiment Jésus-Christ. Et voilà, c'est tout cet amalgame, toute cette collection ou, de, ou ce cortège de, de, de complexes que nous traînons, que l'apôtre résout ici de façon définitive dans, dans, dans ce premier chapitre. Mais aussi, autre chose qui doit être dite aussi par rapport à nous aujourd'hui, c'est ce complexe-là de, de l'insuffisance de la personne de Jésus-Christ. De l'insuffisance de la personne et de l'œuvre de Christ et donc de l'insuffisance de l'évangile dans lequel nous croyons. La foi en l'évangile seule suffit pour que le salut s'installe durablement dans la vie de quiconque se tourne vers Christ. Par conséquent, nous devons faire très attention dans l'Église aujourd'hui de la manière dont nous articulons certains messages, tels que la prospérité, tels que la délivrance, tels que le baptême dans le Saint-Esprit, etc., qui ne doivent pas être articulés comme une seconde étape vers le salut. Il n'y a pas une seconde étape vers le salut. Il n'y a qu'une seule étape et cette étape, c'est Christ et son œuvre. C'est pourquoi l'expression en Christ est clé dans ce premier chapitre ici pour pouvoir comprendre le salut dans le christianisme. Et cette expression-là s'inscrit dans une logique trinitaire, dans une logique de la vie de la Trinité que Dieu... Vie ou mène depuis l'éternité jusqu'à ce jour et vivra pour l'éternité, c'est-à-dire que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, euh, il est important donc de comprendre que le, le, la délivrance ne doit pas être présentée, ne doit pas être articulée, ne doit pas être enseignée, ne doit pas être communiquée comme si, après le salut, c'est maintenant une seconde étape que tout le monde doit franchir. Et c'est pour cela, que vous sentez même dans certains, dans le langage de certains enfants de Dieu, euh, qui vous dit, ben, bah, tu as déjà cru au Seigneur et tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis oui, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Oui, mais est-ce que tu es déjà passé par la délivrance? Donc, la délivrance est présentée ou articulée comme l'étape complémentaire à la fois, à la fois en Christ, comme si celle-ci, c'est-à-dire la foi en Christ, n'était qu'une première étape, après laquelle il y a une autre étape ou une succession d'étapes à franchir, sans lesquelles étapes vous ne pouvez pas vous réclamer être enfant de Dieu. Et cette, cette, cette manière de réfléchir là, ou de voir, ou de penser à la vie chrétienne, est aussi a été aussi identifié, non seulement dans cette église euh, 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 d'Éphèse, au travers de la lettre que l'apôtre leur écrit, que nous sommes en train d'examiner ensemble, mais aussi, on a vu ça au XVIe siècle, avec l'église catholique. Et c'est sur base de ça que les gens tels que Martin Luther, qui n'est pas à confondre avec Martin Luther King, qui lui est un personnage du XXe siècle, et qui est un Américain, le Martin Luther, l'Allemand, le moine catholique, qui en 1517 avait initié, par son acte d'affichage de 95 thèses sur le portail de l'église de Château de Wittenberg en Allemagne, il avait initié ce que nous appelons la réformation protestante, qui a fait qu'aujourd'hui, on parle non seulement des catholiques, mais aussi des protestants. Pourquoi Parce qu'au travers de ce tome-là, c'est-à-dire Martin Luther, ce moine catholique, une réformation, ou c'est-à-dire un mouvement, ou un appel au retour, au contour de l'évangile, tel que bibliquement présenté, avait été exigé par, euh, par lui et les autres réformateurs qui sont venus après, après lui. Donc ce que je veux dire, c'est que même dans l'Église catholique, l'Église qui, pendant mille ans, un, tout un millénaire, après les pères de l'Église, qui ont suivi euh, les, les apôtres quand les apôtres sont morts, non, le dernier apôtre à mourir, c'était Jean qui, me, qui est mort de, à la suite de, de l'âge. Mais euh, les autres apôtres qui l'ont précédé, euh, qui sont morts avant lui, étaient morts comme conséquence de la persécution. Ils ont été mis à mort. Lui, c'est le seul Jean qui était resté. Et. Ils ont, il, a eu, il a eu des disciples tels que Polycarpe, Polycarpe qui est devenu aussi l'un des pères des églises, de l'Église et les autres. Donc, après la période de père des Églises, l'Église catholique est devenue la religion de l'État de l'Empire romain. Et pendant mille ans, l'Évangile a souffert d'une troncature l'a a souffert d'une distorsion. Et la distorsion était que, la foi en la personne de Jésus-Christ ne suffit pas. Encore faudrait-il que tout celui qui devient croyant, et croyant catholique en particulier à l'époque, et l'Europe occidentale, c'est-à-dire euh, l'Europe de, de l'Ouest, était dominé par l'Église catholique, et tout celui qui venait à la foi catholique, et les gens venaient à la foi catholique, de par leur naissance, hein, dès que vous naissez et vous êtes baptisé, vous devenez catholique. Et après cette, euh, ce sacrement là de baptême, maintenant, il va l'Église catholique euh, avait dit qu'il fallait que chaque croyant puisse euh, développer sa vie avec Dieu de manière à ce que, au travers des œuvres euh, qu'il va maintenant euh, déployer ou manifester des bonnes œuvres, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, enfin, finalement, le croyant va de cette manière-là euh, confirmer son salut. Et si son salut, euh, pendant qu'il vit sur terre, n'est pas totalement acquis, parce que euh, faute de perfection, eh ben, euh, il va aller dans ce qu'on appelle le purgatoire après sa mort. Et dans le purgatoire, ce qui va se passer, c'est quoi C'est qu'il va être purifié là-bas de tous les péchés résiduels qui seraient restés en lui comme résidus. Quoi. Donc, euh, il, va, il va être purifié de tous ces péchés-là et à la fin, il va être déclaré juste. Donc, dans la théologie ou dans l'enseignement du, catho du catholicisme, la foi doit être absolument complétée par les œuvres pour que le salut en résulte pour que le salut soit accordé donc par conséquent il n'est pas possible pendant que le croyant est encore vivant d'être certain de son salut il ne peut pas être sûr de son salut pourquoi parce que ça dépend de la manière dont tu vas te comporter et tu vas continuer à obéir à dieu jusqu'à ce que tu arrives à la perfection et cette perfection n'étant pas de ce monde, elle va être atteinte. De l'autre côté, quand tu seras mort, tu vas aller dans ce qu'on appelle le purgatoire, un lieu de purification, et tu vas être purifié. C'est un lieu de supplice, de douleur, de souffrance. Et quand tu as terminé cette étape-là, eh finalement, tu deviens sauvé. Donc, vous comprenez que l'évangile a toujours été, par la distorsion de l'homme, menacé ou traité d'insuffisant. Traité d'insuffisant. Et ça, c'est le combat, en fait, de la foi. Le combat de la foi, le combat du chrétien, ce n'est pas le combat des esprits contre les démons, mais c'est le combat qui consiste à garder la foi en la suffisance de l'évangile pour le salut et pour toute chose dans la vie. C'est-à-dire que ce que nous avons dans la Bible, c'est la révélation de l'évangile comme étant le moyen suffisant pour sauver, pour justifier, pour sanctifier, pour bénir, pour réjouir et pour finalement entrer au ciel. C'est l'évangile cointi coin, comme diraient les Congolais. C'est l'évangile d'un bout à l'autre. C'est l'évangile pour naître de nouveau, l'évangile pour connaître le Seigneur. L'évangile pour se sanctifier, l'évangile pour être délivré, l'évangile pour ressembler à Jésus, l'évangile pour élever les enfants, l'évangile pour avoir une carrière suffisante, euh, satisfaisante, l'évangile pour avoir un mariage équilibré, stable et prospère, l'évangile pour rendre ministère de façon satisfaisante à la gloire de Dieu, l'évangile pour voir le Seigneur. En un seul acte, Christ a rendu possible a rendu possible le salut et ensemble avec lui toute chose. Et la clé de l'expression de ce salut, l euh, la clé de ce salut, c'est l'expression en Christ. Et en Christ n'est pas seulement une expression. Mais c'est aussi une réalité. Voilà. Et dans ce chapitre premier, il nous a été clairement démontré que voici les origines du salut, voici ce que nous gagnons dans le salut, et voici le but final du salut. Et remarquez comment l'apôtre Paul l'a fait. Au chapitre 1, du verset. <coughs> uh, why is that thing closing? Um, yeah, mon application ici ferme toujours quand je dois reprendre. OK. <coughs> Ça fermait euh, la Bible. Ephésiens chapitre 1er, versets 1 et 2. Versets 1 et 2, l'apôtre Paul présente des salutations. Il identifie les personnes à qui il écrit et il. Les bénis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 7, que dis-je, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, ce que l'apôtre est en train de dire, il est en train de nous expliquer les origines du salut et il est en train de nous présenter les bénéfices ou les bénédictions du salut. Et il nous présente l'objectif final de ce salut-là. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, c'est là qu'il est en train de prier pour que les fidèles à Éphèse puissent comprendre, puissent savoir comment accéder à ces bénédictions du salut que Dieu nous a accordé, qui sont, qu sont reprises, ces bénédictions-là, qui sont expliquées du verset 3 au verset 14. Vous voyez Alors, et du verset 3 au verset 14, l'expression clé, c'est l'expression en Christ ou en lui. Regardez, verset, ah pas du verset 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Il montre que les, les bénédictions qui existent, les bénédictions existent, mais ces bénédictions-là nous sont accordées à nous, qui sommes des enfants de Dieu, en Christ, et ce, avant la fondation du monde. Donc, en d'autres termes, l'apôtre est en train d'expliquer que le salut dans le christianisme est tire son origine dans le cœur même de Dieu. Le salut dans le christianisme, il est différent des autres religions et même du judaïsme. Parce que le salut dans le christianisme, c'est un salut qui tire ses origines depuis l'éternité, depuis avant la fondation du monde. C'est là que le salut a commencé. Lorsque Dieu de façon unilatérale avant la fondation du monde, ça veut dire que avant tout ce que nous voyons de visible parce que la fondation du monde ici ne veut pas simplement dire la fondation de la terre de la réalité visible, c'est-à-dire de l'univers, des planètes, des galaxies et tout ce que cela contient avant que cela ne soit Dieu a pris l'initiative de nous sauver. Nous qui aujourd'hui sommes sauvés en Christ, c'est de là que vient notre euh, salut. Et ce salut-là avait déjà été conclu par un acte que Dieu a posé. Cet acte-là consiste en quoi Un, Dieu a choisi Jésus-Christ. Parce qu'avant de nous choisir, Dieu a choisi Jésus-Christ comme étant le récipient ou comme étant la source du salut qu'il va nous donner. C'est pourquoi l'expression en Christ ici devient extrêmement importante. Ici, il faut suivre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. C'est-à-dire que Dieu a désigné Jésus-Christ comme étant. Celui en qui il va placer tous ceux-là qui vont être sauvés demain. C'est-à-dire demain, dans le sens de dire que, bon, c'est quand le monde sera créé, les hommes seront sur la terre, etc. Donc, et la chute viendra et le salut va s'enclencher, et ce processus de salut va s'enclencher, et, 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 et à la fin, ceux qui vont être sauvés, vont être sauvés parce qu'ils ont été placés en Jésus-Christ. Donc, le premier acte du salut a eu lieu avant que Israël ne voit le jour, Israël ne soit choisi. voyez, donc l'apôtre est en train de balayer en un tour de main le complexe du citoyen de seconde classe, en montrant que... Ces Israélites que vous voyez aujourd'hui, avant qu'ils ne fussent, avant qu'ils ne viennent à l'existence même, avant que la, la, le monde dans lequel ils vivent ne soit fondé lui-même, Dieu avait déjà décidé et elle avait placé, il avait placé en Jésus-Christ des personnes de toutes les nations qui vont être sauvées, y compris ceux d'Israël aussi. Donc les origines de notre salut remontent à l'éternité. Et ça c'est tout simplement une pensée reconfortante et une pensée sublime et qui dépasse notre entendement et qui devra nous pousser à aux actions de grâce et à la louange. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, le fait que toi tu sois venu en contact avec l'Évangile. Et que tu entres en contact avec l'évangile, c'est le résultat de cet acte-là que Dieu avait posé. Donc, ce qui veut dire que Dieu te connaissait individuellement. Dieu n'a pas seulement pris les gens en bloc qu'il a voulu sauver. Non, il les a choisis, il les a placés en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait Verset 4, en lui, Dieu nous a, euh, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui avant la fondation du monde. Il a déterminé le but, il a déterminé l'origine, et il a déterminé que Christ, et c'est ce que je voudrais que nous puissions saisir ici, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, c'est qu'avant que toi tu sois élu au salut de Dieu, Christ a été élu pour être celui, pour être celui, comme qui dirait, je, je voudrais utiliser une expression ici, euh, juste pour nous aider à comprendre. Mais c'est parce que, exactement, euh, euh, you know, c'est à cause de la faiblesse de notre compréhension, hein, la faiblesse de ma compréhension et de, ma, euh, de, de, de mon vocabulaire. Hein. Donc, Christ a été, comme qui dirait, choisi comme la mère qui devait être enceinte de tous les enfants qui, vont partic qui allaient participer au salut de Dieu voyez oui, il a été désigné comme le pionnier comme la tête fédérale comme le représentant le représentant de tout cela que Dieu va choisir c'est pour cela c'est pour cela quand nous regardons la relation de subordination entre Christ et son père quand Jésus vient sur la terre il dit lui, le fils ne fait que ce que voit le père faire il dépendait totalement de son père et il s'est humilié devant son Père. Et cette subordination, cette humiliation de Jésus-Christ s'inscrit dans la logique du fait qu'il a été désigné par le Père comme celui qui devait être le Fils aîné et donc comme qui dirait la mère qui devait porter tous les enfants de Dieu en lui. Voyez-vous Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et nous voyons aussi l'apôtre le dire euh, dans Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, car ceux qu'il a connus, non, Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voyez-vous Donc, Christ soit le premier-né entre plusieurs frères. Par conséquent, l'humilité de Jésus Christ. Quand nous lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, il n'a pas regardé, la Bible dit, et les sentiments qui étaient en Jésus Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est humilié lui-même comme un serviteur. Il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même en mourant sur la croix. En mourant euh, jusqu'à la mort, il s'est dépouillé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Donc l'humilité de Jésus-Christ ne veut pas dire que Dieu, euh, Jésus-Christ est moins que Dieu. Non, Jésus-Christ est Dieu, est égal à Dieu. Parce que Hébreux chapitre 1, verset 1, à 7, est en train, verset 1 à 3 est en train de nous montrer qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il est, il est plus qu'une photocopie. Parce qu'une photocopie n'est pas l'original. Jésus n'est pas la photocopie de Dieu. Il est Dieu en deux, deuxième exemplaire. Si je peux exprimer comme ça, faute de, de mots, de vocabulaire approprié. Donc Jésus a été choisi et établi par Dieu. Et regardez quelque chose, pendant que j'étais en train de préparer cet, ce, cet enseignement de ce soir, et il y a une idée qui me venait à l'esprit, il y a quelque chose qui, que j'ai compris, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'est quoi C'est que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a finalement créé Adam, et il l'a placé sur la terre. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'a placé sur la terre. Et quand il l'a placé sur la terre, il, lui a, il a fait quoi ben il, lui a, il a responsabilisé. Il lui a donné les droits et les obligations. Le droit de jouir de la terre, le droit de jouir du jardin, le droit de vivre, mais il lui a donné aussi des obligations. De nommer les animaux, il lui a donné l'obligation de dominer la terre et de la contrôler, de dominer sur toutes choses, et d'être son représentant. Quand Adam est sur la terre et quand il est sur la terre, ça veut dire que tous les hommes qui vivent aujourd'hui sur la terre étaient en Adam. Parce que c'est de Adam et Ève que sont venus tous les êtres humains sur la terre. Ça veut donc dire quoi ça veut dire qu'au moment où Adam avait été créé, il avait été responsabilisé. Et Dieu lui a donné même une femme. Et regardez, pour lui donner la femme, Dieu a dû déchirer Adam pour sortir la femme de sa côte. Voyez-vous Il a sorti la femme de lui. Donc il n'a pas encore, il ne s'est pas encore engagé dans, une, dans un processus de création euh, en dehors d'Adam. De, Parce qu'au moment où Adam était sur la terre, il y avait deux hommes en fait. Il y avait Christ qui était déjà au ciel, qui avait déjà été choisi par Dieu pour être le premier-né entre plusieurs frères, comme Romains 8, 29 le dit. Et il y avait Adam qui sur la terre, qui avait en lui toute l'humanité. Cependant, dans l'ensemble um, dans, dans, dans de l'humanité ou des hommes qui étaient encore en Adam à ces moments-là, il y avait deux catégories de gens. Il y avait une catégorie de gens qui avaient déjà été choisis par Dieu et déjà placés en Jésus-Christ avant la fondation du monde parce que c'est ce que le texte dit au verset 4. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, Dieu nous avait déjà élus. C'est-à-dire que dans Adam, en ce moment-là, il y avait des élus et il y avait aussi les non-élus. Il y avait aussi les non-élus qui étaient en Adam en ce moment-là. Ça veut donc dire que avant même que Adam ne mange le fruit de la, de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait déjà un projet de salut qui était déjà mis en action par le fait qu'il a désigné le pionnier déjà. De, de cette humanité ou de ceux-là qui vont être sauvés en la personne de Christ. Et il avait aussi choisi des personnes qui allaient être sauvées qui les a, et il les avait placées en Christ. Donc par conséquent, le salut ne peut pas être compris dans le christianisme comme étant... Le produit d'une action de l'homme, d'une performance de l'homme, d'une observation de loi ou de commandement. Non, non, le salut dans le christianisme est déterminé par une décision unilatérale et souveraine de Dieu, par laquelle il a pris déjà avant la fondation du monde des gens qu'il a placés en Jésus-Christ et et le salut, en fait, lui-même consiste en quoi Le salut consiste, consiste en cette union-là entre Christ et les élus, entre nous qui plus tard allions devenir de croyants. C'est ça le salut. Donc par conséquent, vous comprenez donc que quand Jésus-Christ va venir pour mourir sur la croix, il ne va pas venir pour mourir pour tout le monde. Il va venir pour mourir pour ceux-là qui était déjà placé en lui de façon à les récupérer. Est-ce le sang de Jésus a le potentiel ou la capacité de sauver le monde entier Oui. Le sang de Jésus a la capacité de sauver le monde entier. Mais cependant, il ne peut sauver que ceux-là qui avait déjà été établi ou qui avait déjà été placé en lui. Parce que le salut ne dépend pas de ce que l'homme fait, mais le salut dépend de, de ce que Dieu fait. Et l'homme ne peut faire qu'après que Dieu ait fait. Vous voyez Donc, la performance, ce que l'homme fait, ne ne crée pas le salut, mais c'est ce que Dieu a fait qui crée le salut. Donc, par, du coup, j'ai compris ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, ce texte, que, en fait, lorsque Adam est créé, il est placé sur la terre, il a en lui les élus et, non, et les non-élus. Du coup, quand Adam commet le péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la consommation lui était interdite par Dieu, interdite par Dieu il a ainsi perdu tout le monde. Il a perdu tout le monde. C'est-à-dire, il s'est perdu lui-même. Il s'est corrompu dans le péché. Et ensemble avec lui, tous ceux qui étaient placés, qui étaient en lui, parce que tous les hommes émanent de lui, émanent de l'union d'Adam et Ève. Il est le père de l'humanité. Il est le père de l'humanité. Donc par conséquent, tout le monde est perdu. Et quand tout le monde est perdu de cette manière par le péché, la rédemption, la rédemption consiste en quoi La rédemption en Jésus Christ consiste en le pardon de péché et à la récupération de ceux des élus qui étaient en Adam, de sorte que ils rentrent. Et vivent en Jésus-Christ. C'est pour cela que quand Jésus va naître, Jésus ne va pas naître d'Adam. Il n'est pas le fils d'Adam. Par conséquent, cet épître ici, ce premier chapitre, nous a aidé à comprendre une réalité profonde. Cette réalité est que quand Dieu regarde le monde, il voit deux humanités. Il voit deux hommes qui sont des pionniers. Le premier pionnier, c'est Jésus. Bien que dans la réalité, dans, dans, dans l'exécution du plan, lorsque le monde a été créé, le premier qui est venu, c'est Adam. Mais le premier n'est pas parfait. C'est le second qui est parfait qui vient. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle le second Adam. Vous voyez Le second Adam. Maintenant, quand Jésus vient, le mécanisme du salut, repose sur une chose très importante en Christ. Ça repose sur en lui. C'est pour cela. Vous allez, en lisant le texte, vous allez voir ça. Vous allez voir qu'est-ce que le texte dit. Le texte dit ceci. Béni soit Dieu. Je commence à partir du verset 3, bien entendu. Je suis au, verset, euh, au chapitre 1 d'Ephésiens. De, 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 béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui. Vous voyez Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est par Jésus-Christ. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, voici l'origine. Voici la bénédiction ou les bénéfices et voici l'objectif. L'origine, c'est Christ. C'est pourquoi je vais revenir à cela tout à l'heure. La doctrine de la Trinité est cardinale et importante, indispensable dans la compréhension, dans la compréhension et dans l'articulation du salut dans le christianisme. Nous ne sommes pas sauvés donc par l'œuvre de la rédemption, nous ne sommes pas sauvés par le fait que Jésus a payé le prix pour notre salut individuellement. Nous sommes sauvés parce que c'est avec nous qu'il a payé ça. C'est nous en lui qu'il a payé le prix. Ça ne veut pas dire que nous nous avons contribué en apportant une aide aussi dans son sang. Nous sommes morts avec lui. Son sang a, versé, a été versé. Notre sang aussi a été versé. Non. C'est dans l'union avec nous qu'il a payé le prix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et nous allons voir ça très clairement encore au chapitre 2. Lorsque nous commençons la semaine prochaine avec le chapitre 2, nous allons voir comment... Cette question-là, ce mécanisme-là de l'union avec Christ est clé, est la clé de la compréhension du christianisme et donc du salut dans le christianisme. Voyez-vous Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, nous avons été élus en lui, c'est une bénédiction. Nous avons été prédestinés, destinés à l'avance à être ses enfants d'adoption. Pourquoi adoption Parce que nous ne sommes pas des enfants légitimes au même pied d'égalité que Jésus. Jésus est celui qui est sorti du Père. Jésus est celui il est le reflet de l'image du Père. Jésus est le est le est le, est le le prolongement de la nature du Père. Nous ne le sommes pas. Nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi qu'on ne vous fasse pas croire que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Cette théologie-là est dangereuse, dangereuse et nocive à la foi chrétienne. La théologie de ce qu'on appelle la parole de la foi et donc de l'évangile de la prospérité. Vous êtes des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres humains. Et il n'y a pas un statut plus glorieux que ça en dehors du statut de Dieu lui-même. C'est glorieux d'être être, être humain. C'est pourquoi Christ ne s'est pas gêné d'être appelé notre frère. C'est pourquoi il n'a pas refusé lorsque le Père l'a désigné comme le pionnier de la nouvelle humanité et donc le second Adam. Il est content et la preuve c'est que quand il est mort, il est ressuscité avec son corps, il ne l'a pas laissé sur la terre, il est parti avec son corps sur, dans le ciel et il est assis à la droite du Père dans le ciel. Il y a un homme au ciel. Il y a un homme, pas seulement au ciel, mais il y a un homme dans la divinité, dans la trinité, dans la communion de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. Voyez, donc, et ce texte ici de Ephésiens, nous a permis de comprendre que le salut n'est pas ce que notre culture définit. Le salut est différent des autres religions dans le christianisme. Pourquoi Parce que dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le kimbangisme, etc., le salut est le produit d'une... <laughs> d'une carrière de performance, d'une série d'actes que l'homme est en train de poser, de poser c'est-à-dire en obéissance à la loi et au commandement de Dieu, et à la fin, le salut lui est donné comme récompense. Le salut dans le christianisme, et je voudrais dire ceci, ça c'est très important, bien aimé mon Seigneur, je voudrais le dire, le salut dans le christianisme, il est différent. J'ai écrit quelque chose ici de très intéressant que je voudrais euh, partager avec nous. Euh, J'étais en train de prendre note ce matin pendant que je méditais. Euh, et si vous ne comprenez pas ça, euh, vous êtes à côté de la plaque. Je vais vous expliquer. Avant de vous dire ce que le salut est, je voudrais vous dire d'abord ce que le salut n'est pas. Comme ça, on va élaguer, on va enlever ces options-là <laughs> sur la table et on va rester avec la seule option possible et, et, et nous allons voir comment Ephésiens nous aide à, à saisir cette notion-là. La première, c'est celle-ci. Euh, le salut n'est pas ceci. Hein. Le salut n'est pas un plan B que Dieu a initié en réponse à la chute de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, il leur a donné la domination et tout cela. Il, a dit, il les a bénis, il a dit, multipliez, remplissez la terre. Mais il leur a aussi dit, ne mangez pas ce fruit-là. Et quand ils ont mangé, ils ont commis le péché. Et comme ils, sont, ils ont commis le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu les chasse et Dieu dit, c'est fini avec vous. Hein? Et maintenant, Dieu maintenant a ses mains sur la tête, il dit, mais voilà, mais comment je vais maintenant m'y prendre Qu'est-ce que je vais maintenant faire Parce que je voudrais quand même sauver l'homme. C'est mon honneur quand même qui est parti. J'ai créé quelqu'un et puis voilà, c'est la faillite maintenant et tous les hommes vont être euh, euh, perdus. Allez, oh, heureusement j'ai Jésus. Jésus, s'il te plaît, viens. Tu vas aider, euh, tu vas aller, tu vas mourir pour eux. Et quand tu vas mourir pour eux, ton sang va être le paiement de leurs péchés et je vais les sauver. Ça, ce n'est pas le salut dans le christianisme. L'épître le, le, aux Éphésiens, ce premier chapitre, a réglé ce problème-là. l'a a corrigé cette, cette fausseté-là. C'est bien beau, c'est beau, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Car il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez, c'est très important de ne pas suivre une chose parce qu'elle est logique. Ne suivez pas ça parce qu'elle est logique. Nous, nous suivons la parole de Dieu. Nous suivons ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit et ce que Dieu a préparé n'est jamais monté au cœur de l'homme. Aucun savant au monde ne pouvait, par lui-même, découvrir le salut. C'est-à-dire, s'il nous avait été donné de nous asseoir en comité ou en nous, sois, en nous asseoir dans les Nations Unies, en tant que les hommes, représentant tous les autres hommes, d'imaginer une voie du salut, nous n'aurions jamais imaginé. De sauver les hommes par la, par la voie du, de la croix. On, aura ja, on ne pouvait jamais imaginer ça. Personne ne pouvait dire J'ai trouvé une idée pour sauver l'humanité, tuons l'homme par la foi, euh, allons à la croix. Personne ne dirait ça. C'est pourquoi dans ce monde, on cherche toujours à améliorer l'homme. Tous les efforts tournent autour de l'amélioration. Par conséquent, toute, toute démarche du salut, dans la pensée humaine, a toujours pour point de départ comment, sur base de la destruction ou de la corruption que l'homme possède, comment on peut le corriger jusqu'à aller euh, à, à le purifier. Vous voyez Et c'est ça la logique aussi du combat spirituel et de la délivrance. Comment tu es, tu es sauvé, tu as reçu Jésus, certes, c'est vrai, mais tu es encore lié. Comment on peut te purifier, te couper les liens, couper, annuler les malédictions des familles, les hôtels de famille, etc. Jusqu'à ce que tu deviennes puré, pur. Jusqu'à ce que tu deviennes parfait. Jusqu'à ce que tu entres au ciel finalement. Donc ce n'est pas ça. Donc le plan de Dieu n'est pas, que dis-je, le, le, le plan du salut de Dieu n'est pas, pas un plan B qui a été conçu après avoir constaté que l'homme est méchant et il est mort il est tombé dans le péché et qu'il est mort non ça c'est pas le salut comment je le sais le texte biblique me le dit verset 4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde donc si c'est avant la fondation du monde ça veut donc dire que le salut n'a jamais été un plan B donc par conséquent la chute fait partie du plan de Dieu Comment on peut en dire autrement Ah, mais comment, pasteur Comment Dieu qui est saint, il va aussi planifier que les gens sont, soient, oui, euh, tombent dans le péché, etc. Voilà. Dieu n'est pas le, la cause du péché. Il n'est pas l'origine du péché. Mais il a voulu que le péché soit. Car qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'éternel N'est-ce pas de l'éternel que viennent les mots et les biens au chapitre 3, verset 37 à 39. Vous voyez, donc le, le salut n'est pas un plan B. Ephésiens 1 a permis d'annuler cette possibilité-là. Deuxièmement, donc par conséquent, Christ n'est pas la réponse à l'échec de Adam. Si ce n'est pas le plan B, donc par conséquent, Christ n'est pas la réponse à l'échec d'Adam. Parce que Christ avait déjà été choisi, établi, et les élus choisis et placés en Christ avant la fondation du monde. Mais Christ est plutôt la révélation que l'homme, quelle que soit sa perfection, il ne pourra jamais faire parfaitement la volonté de Dieu. Mais Christ l'a fait. So, uh, deuxièmement, le salut ne consiste pas à aller au ciel. Le salut ne consiste pas à aller au ciel. Parce que le texte biblique dit quoi Le texte biblique dit, verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, le salut n'est pas géographique. Le salut ne consiste pas à aller au ciel. Le salut est une relation avec Dieu. Et cette relation, c'est une relation d'union avec Dieu. Je vais y revenir. J'ai commencé déjà à donner la réponse. Est que le salut n'est pas euh, géographique. C'est pourquoi cet homme, ce jeune homme-là, qui était venu vers Jésus, dans Luc chapitre 18, qui dit Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux Parce qu'il avait la mentalité d'une géographie. C'est-à-dire que je dois aller au ciel à un endroit. Et. On lui dit, bon, va obéir à la loi. Il dit, ça, j'ai déjà obéi depuis mon jeune âge. Il dit, OK, il te reste une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne le produit de la vente aux pauvres, distribue-le aux pauvres, et après quoi, viens et suis-moi. Il dit non. Il a refusé. Pourquoi Parce que dans, sa, dans, sa, dans son entendement, c'était un lieu géographique. Le salut n'est pas d'abord un lieu géographique. Euh, donc, le salut n'est pas une un mouvement d'immigration vers le confort. Vers le confort. Donc, le confort n'est pas le confort de l'homme où le fait de se retrouver à un endroit où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de problème, ne constitue pas le salut. Ne constitue pas le salut. Troisièmement, le salut n'est pas un lot de bénéfices que nous recevons en Jésus Christ. N'est pas un lot de bénéfices. N'est pas euh, le salut, c'est quoi C'est le pardon du péché, c'est la justification, c'est la sanctification, c'est les bénédictions dans, et le succès dans tout ce qu'on fait. C'est la délivrance. Il faut aussi avoir la délivrance face au diable. Et quand tu auras ça, finalement, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Le salut n'est pas un lot de bénéfices que Dieu vous donne. Ça, ce n'est pas l'entendement du salut dans le christianisme. Mais le salut est accompagné de bénéfices. Il est accompagné de bénéfices, mais il n'est pas le lot de bénéfices. Donc, par conséquent, le salut ne consiste pas à savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir ça. Qu'est-ce que je peux faire pour, avoir la, pour, être, pour, être, pour naître de nouveau Qu'est-ce que je peux faire pour me sanctifier Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la délivrance Qu Qu'est-ce Qu que je peux faire pour trouver la guérison Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la bénédiction et euh, avoir les portes ouvertes, etc. Vous voyez, cette manière de réfléchir et cette manière de prêcher reflète notre mauvaise compréhension du salut. Et par conséquent, le salut et les bénédictions qui l'accompagnent deviennent comme des de choses à, vo à voir l'une euh, après l'autre. Et jusqu'à voir la dernière chose qui est d'entrer au ciel. Vous voyez Et ça, c'est tout simplement dangereux. Et ce n'est pas comme ça que le christianisme définit le salut. Et ce n'est pas comme ça que le christianisme définit les bénédictions. Dans ces textes ici que nous avons lu des Éphésiens, nous avons compris que Dieu nous a donné ces bénédictions, mais ces bénédictions sont attachées à la personne de Christ. Donc ce ne sont pas des choses que Dieu nous donne, mais c'est une personne que Dieu nous donne, et cette personne c'est Christ, qui est la sommation de toute bénédiction. Et c'est pour cela qu'au verset, au verset 9 et 4, 9 et 10, regarde ce que la Bible dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir. Le but final, c'est de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, de réunir tout en Christ. Pourquoi Parce que c'est de là que ça vient. Ça vient de lui. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. En d'autres termes, parce que tout a été créé par lui, c'est-à-dire au moyen de Jésus-Christ. Vous voyez, pour faire le, le pain, pour fabriquer du pain, faut pas, on fabrique, on prépare le pain. <laughs> pour préparer le pain, tu prends la farine. De froment, tu prends la levure, je prends moi le sel, etc. Ou tu, tu te débarrasses du sel, etc. Et tu utilises ça pour faire le pain. Pour faire le monde, pour créer les cieux et la terre, Dieu a pris Christ. Et par lui, il est la matière première de tout ce qui existe. Et il a sorti. C'est-à-dire qu'il a sorti tout de Christ et à la fin il va tout ramener à Christ. Par conséquent, si nous qui sommes en Christ sommes partageons la relation de filiation, c'est-à-dire de Fils de Dieu avec Christ, ça veut dire que nous partageons toutes choses ensemble avec lui. Par conséquent, la vie, le salut, ne consiste pas à se demander les sept étapes pour obtenir ceci. Les quatre étapes pour obtenir cela. Les 23 principes de la percée et de la destinée pour entrer dans ceci, pour entrer dans cela. Christ est notre destinée et il est tout pour nous. Vous comprenez Donc le salut n'est pas un, un, un ensemble de bénéfices. Parce que quand on présente le salut comme un ensemble de bénéfices, on commence à se demander comment je peux faire pour avoir ça. Comment je peux faire pour avoir ceci. Et par conséquent, on devient légaliste. On commence à obéir à la parole de Dieu pour obtenir des choses. C'est ce que les judaïsans étaient en train de dire aux Éphésiens, aux Galates et aux autres que croire en Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il faut aussi observer des lois, parce qu'en observant des lois, vous allez être accepté par Dieu. Vous allez être béni par Dieu. Par conséquent, on n'observe pas la loi parce qu'on aime Dieu. On observe la loi pour remplir les critères d'éligibilité à la bénédiction. Par conséquent, cette bénédiction-là devient la chose la plus satisfaisante et Christ ne l'est plus. Et si tel est le cas, cette chose-là que nous poursuivons devient notre Dieu, devient notre idolâtrie, devient la source de notre signification, la source de notre joie, la source de notre bénédiction, de notre satisfaction. C'est pour cela. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu, tu n'as pas cela, tu te sens moins enfant de Dieu, tu te sens moins aimé par Dieu, tu te sens moins euh, approuvé ou accepté par Dieu. Par conséquent, cette chose-là devient une idole pour toi. C'est ainsi que nous parlons de l'idolâtrie de la délivrance l'idolâtrie des bénédictions. Donc, la manière dont l'apôtre Paul a articulé la question de bénédiction ici, regardez, il est dit très bien au verset 3, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Ça veut dire que quand il nous a placés en Christ, c'est de Christ que sont parties toutes les bénédictions, les galaxies, les, les, la planète Mars, Jupiter, Vénus, etc., la planète Terre c'est de Christ que c'est parti et par conséquent quand nous sommes en union avec Christ nous avons donc toutes choses ensemble avec lui c'est pourquoi il dit dans romains chapitre 8 verset 32 si dieu ne nous a pas si dieu n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous pour nous comment ne nous donnerait-il pas ensemble avec lui toutes choses Vous donc j'étais en train de dire que euh, le salut n'est pas une, une, un, 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 un bloc de bénéfices. Deuxièmement, je voudrais, euh, trois, quatrièmement, je voudrais dire que salvation, euh, j'avais écrit ça en anglais ici, hein, salvation is not freedom from sin, Satan, death or hell. Le salut n'est pas la liberté du péché de Satan et de ses démons, bien entendu, de la mort et de, de l'enfer. Ce n'est pas ça le salut dans le christianisme. Dans le christianisme, le salut n'est pas la délivrance ou la libération de la puissance du péché, la puissance de Satan, la puissance de la mort et de l'enfer, que tu n'iras plus en enfer. Ce n'est pas ça le salut dans le christianisme. Le salut dans le christianisme implique toutes ces choses-là. Mais va au-delà de ces choses-là, parce que ce que vous gagnez dans le salut, c'est plus que ces choses-là. Par conséquent, le salut n'est pas le retour à l'état édénique, c'est-à-dire à, à l'état du jardin d'Eden. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Eden, avant qu'ils ne commettent le péché, ils étaient libres du péché. Ils étaient libres de, la, libres de la mort. Ils étaient libres de Satan et aucun démon ne pouvait les toucher. C'est pourquoi Satan a dû mentir pour les avoir. Il ne pouvait pas les toucher. Impossible. Il ne pouvait pas les toucher. Satan était déjà là. Et il était déjà Satan. Tout Satan qu'il était, il ne pouvait pas le toucher. et pouvait pas. Ils étaient dans un environnement paradisiaque, dans un jardin plein de délices. Il n'y avait pas de souffrance, aucune. Donc le salut n'est pas le retour à cet état-là. Le salut est scandaleux parce que le salut, c'est une élévation et une pénétration dans la vie de Dieu. C'est une participation en Dieu. Le salut, c'est le salut. C'est l'invitation à entrer dans la vie privée de Dieu. C'est pourquoi l'expression en Christ, je le répète, <laughs> devient un, une expression clé. Donc le salut, il est vrai, nous a franchis du péché, de Satan, des démons, de, de la mort, car Christ a vaincu la mort. Et. Le, 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 le salut nous épargne du, de l'enfer, nous n'irons plus jamais en enfer, mais le salut n'est pas le fait d'éviter ces choses-là. Le salut, c'est une invitation que Dieu a adressée à l'humanité. Je voulais dire aux élus que lui-même a choisi avant la fondation du monde à entrer dans sa vie privée. Et Christ est le lieu le plus privé de Dieu. C'est pourquoi il a dit, <laughs> lors de son baptême, Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, Dieu, normalement, devait nous sauver tout simplement en nous délivrant de la, du péché, faisant que nous devenions saints et, 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 et irrépréhensibles, comme il l'a dit. Il devait. Faire en sorte que Satan soit vaincu, il a fait à la croix. Il devait faire en sorte que euh, la mort ne nous touche plus, nous ne mourrons plus. Il devait faire en sorte que nous n'allions pas en enfer et que nous allions au ciel, à un, un bel endroit où il y a la paix, et il n'y a plus de douleur. Chacun mange, chacun trouve la femme de sa vie <laughs> et l'homme de sa vie. Il n'y a pas de besoin de voyage, il n'y a pas de besoin de visa, et il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, il n'y a pas de pleurs. Mais le salut dans le christianisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est au-delà. C'est pourquoi le salut n'est possible que par la grâce. Parce que ce que nous recevons dans le salut, c'est l'invitation à partager. La vie privée de Dieu et laquelle vie se trouve dans la communauté de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la, euh, le texte d'Éphésiens chapitre 1, vous voyez exactement ça, ça vous saute aux yeux, que le salut ici, c'est une union avec Christ dans la communauté ou dans, la, dans le contexte de de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça vient d'où Ça vient du texte. Regardons le texte. Verset 3. La Bible dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, ce sont les bénédictions des dieux lui-même. Ce sont les bénédictions dont Dieu jouit lui-même. C'est-à-dire en nous amenant dans sa communion et donc dans sa, dans, sa, dans, dans sa famille. Dieu nous fait participer à ces bénédictions et pour nous faire participer à ces bénédictions-là, il change notre statut. Nous ne sommes plus vis-à-vis -vis de lui seulement comme des créatures. Comme Adam l'était, nous sommes devenus maintenant ses enfants d'adoption. Devenons ses enfants. C'est-à-dire, nous participons, nous entrons dans sa famille. Et sa famille est constituée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas des anges. Les anges ont un rang low, un rang bas, moindre que ce statut que nous avons dans le christianisme, que l'élu que a dans le christianisme. Il y a le Père qui nous amène dans le Fils, nous a choisis dans le Fils. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il ne parle que de son Fils. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé dans son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans le ciel, dans le cieux, et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, selon d'après le conseil de sa volonté afin que nous, soit, nous servions à la louange de la gloire de sa grâce, nous qui, avons, avons, qui, qui, qui d'avance avons espéré en lui. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voici la troisième personne qui vient. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Le salut. Donc, le salut, c'est une... implique trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit jouissent d'une gloire et de toutes les bénédictions qui existent. Et sont heureux et satisfaits dans cette communion. Et vivent dans un environnement d'amour. C'est pourquoi on parle d'amour. Parce que l'amour, pour parler d'amour, il faut avoir au moins deux personnes. Parce qu'il faut que quelqu'un aime une autre personne. C'est pourquoi la Trinité est très importante, parce que c'est elle qui nous permet d'affirmer que Dieu est amour. L'unitarisme est très dangereux. C'est-à-dire, l'unitarisme, c'est la doctrine qui affirme que Dieu lui-même euh, est le Père, il est lui-même le Fils et le Saint-Esprit. Donc Jésus lui-même, c'est le Père, lui-même, c'est le Fils, lui-même, c'est le Saint-Esprit. Il changeait seulement de chapeau. Il changeait seulement de fonction. Maintenant, il fonctionne comme un Fils. À un moment donné, il fonctionne comme le Saint-Esprit. À un moment donné, il fonctionne comme le Père. Ça, c'est dangereux parce que ça veut dire que Dieu n'a jamais connu d'amour. C'est un seul être, je veux dire pas un seul être, mais plutôt une seule personne. Ça veut dire que Dieu n'a pas appris l'amour jusqu'à ce qu'il ait créé des autres personnes, notamment l'être humain. Donc Dieu, en fait, ne peut pas être amour. Dieu ne peut pas comprendre l'amour, sinon il ne peut le comprendre que de façon expérimentale, c'est-à-dire en vivant avec la création qu'il a amenée à l'existence. Et le témoignage biblique est très clair. Dieu n'a pas, pas appris l'amour par les hommes qu'il a, qu a, qu a, qu a créé. Dieu est amour. Il est amour. Pourquoi Parce que il vit dans une communion de trois personnes. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, aime, aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime le Père et il aime le Fils. Ils s'aiment entre eux. C'est pourquoi il a dit, quand il a vu Jésus émerger des eaux du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Jésus est l'affection de Dieu. Il est la résidence de l'affection de Dieu. Et le christianisme, le salut dans le christianisme, c'est l'appel. C'est l'appel à participer à cet amour, à participer à cette union-là. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que nous recevons dans le christianisme Ce que nous recevons dans le christianisme, c'est Ce Dieu comme jouissance. C'est Dieu comme jouissance. C'est-à-dire Dieu pour jouir de lui. Nous n'allons pas en vacances vers lui. Nous allons résider avec lui pour toujours et nous restons unis avec lui pour toujours. Donc la plus grande bénédiction, c'est l'union avec Christ. Alléluia. Ça, c'est tout simplement merveilleux. Tout simplement merveilleux. C'est pourquoi le salut ne peut pas s'obtenir par... Une quelconque transaction d'échange. Parce que ce que nous obtenons dans le salut, ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un ensemble de bénédictions, ce n'est pas un plan de sauvetage, c'est tout cela, mais plus que cela, parce que c'est Christ qui est l'image du Dieu Tout-Puissant lui-même, et donc c'est Dieu lui-même que nous recevons dans le christianisme. Et c'est ce que Ephésiens chapitre 1 nous a aidé à comprendre là. Alors, puisque ce c'est ça le et puisque ce cela la vérité et la profondeur l'origine du salut les bénéfices du salut. Alors, si Christ est le bénéfice du salut, c est Christ est, si Christ est le et la sommation de tous les bénéfices du salut, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour avoir les bénéfices du salut, il faut avoir plus de Christ. Ça veut dire quoi Si le pardon du péché, c'est un bénéfice du salut, la délivrance du diable, du de démon, de Satan, des, 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 du péché et de, de toutes les, les pesanteurs négatives, c'est Christ. C'est Christ qui est cette délivrance-là. Ça veut donc dire quoi ça veut dire que pour avoir la délivrance, la sanctification, la justification, la bénédiction, la prospérité et toutes ces choses-là, il faut avoir Christ. En d'autres termes, il faut s'enfoncer en Christ. Plus vous vous enfoncez en Christ, plus vous vous enracinez en Christ plus vous possédez ces choses-là, parce que ces choses-là ne peuvent pas être obtenues indépendamment de la personne de Christ. Jésus ne te viendra, tu ne viendras jamais à Jésus pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me donnes la délivrance Tu ne feras toujours rien. Il te dira, ce que j'ai fait est suffisant. <laughs> Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce que moi je devrais faire pour obtenir les bénédictions, des façons séparées, l'un, l'une après l'autre, Dieu l'a fait en la personne de Jésus, de telle sorte que en ayant Jésus, j'ai tout ensemble avec lui. C'est pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, par conséquent. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, non seulement pour être sauvé de la mort, du péché et de l'enfer, c'est aussi la bonne nouvelle pour être sanctifié, pour être délivré de l'influence satanique, de l'oppression démoniaque, des, des envoûtements et de tout ce que le diable fait. La solution est unique et elle est suffisante. C'est Christ, lui mort et ressuscité. C'est pourquoi le verset 7 dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu a répandu ces choses-là en nous, par le fait que Christ a accompli par conséquent l'évangile, c'est-à-dire l'annonce de l'œuvre la, de la rédemption. Est suffisante. Pourquoi? Mais parce que, parce que, écoutez, Adam est créé, il est sur la terre. On lui a donné des bénédictions et toutes ces choses-là. Pendant qu'il est sur la terre, là, avant qu'il ne commette le péché, Christ est dans les cieux et en, il a accepté la fonction d'être le premier-né d'une génération future qui viendra. Il a accepté ça. Et Dieu, sur base de son acceptation, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris les gens, il a placé en lui. Et par le fait de les placer en lui, ces gens-là lui appartiennent. Et il les a placés en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, c'est de lui que Dieu se servit pour créer toutes choses. Ça veut donc dire que si toute chose a pour origine Christ, où toutes choses toutes les choses ont pour origine Christ ça veut dire que Christ de qui émerge toutes choses et possède tout ensemble avec lui par conséquent quand Christ vient pour faire l'œuvre de la rédemption pourquoi il fait l'œuvre de la rédemption parce que les élus autant que les non élus étaient placés en Adam ils étaient en Adam et lorsque Adam est perdu, ils sont perdus ensemble avec lui. Par conséquent, lorsque Jésus vient, il vient racheter les élus. Et il vient les prendre et le remettre en possession avec Dieu. Et pour le remettre en possession avec Dieu, il les réconcilie avec Dieu par rapport au péché qui a été commis par Adam et Ève. Il les purifie, il les sanctifie mais ce, et, et il les glorifie. Mais cela n'est pas tout il les amène maintenant à Dieu pour que Dieu puisse jouir d'eux par conséquent regardez la bonne nouvelle qui fait qui, qui, me, qui réjouit mon cœur et c'est que ce qui a été racheté par Jésus-Christ ou ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ les élus que Dieu connaissait d'avance une fois rachetés Dieu est en droit de les reprendre et de les conserver. Par conséquent, la conservation du salut est une affaire de Dieu et non des élus. C'est-à-dire la capacité de rester sauvé, de rester élu et la responsabilité du Père qui a fait que qui a décidé que ces personnes-là soient à lui. En d'autres termes, si les pères manquent de conserver ceux-là qu'il a sauvés par Christ, il se serait lui-même moqué du sang de Christ, il, serait, il se serait lui-même moqué et méprisé, il aurait lui-même méprisé le sacrifice de Christ. C'est pourquoi, pour s'assurer que ce que Christ a fait va être conservé, et que tu te tiendras un jour dans sa présence irrépréhensible et saint, il n'envoie pas un ange, il envoie son esprit, le Saint-Esprit, qui vient pour te conduire dans la vérité, de garder du mal, pour te guider dans la vérité, pour prendre de ce qui est à Jésus et te l'annoncer, pour. Te Adoucir ton cœur à la voix de Dieu <laughs> pour te sanctifier et te purifier, pour te préparer et t'amener de sorte que ce jour-là, tu te tiennes devant Dieu et que tu dises, n'eût été la grâce, je ne serai pas ce que je suis. C'est fort de cette conviction-là que l'apôtre Paul maintenant fait la prière. À partir du verset 16. Du verset 15, qu'est-ce qu'il dit dans la prière C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi Un, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Père le fasse. Ok? Et tro euh, troisièmement, euh, deuxièmement, et verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. <laughs> que vous sachiez cela. C'est important que vous sachiez à quoi vous êtes appelé. Ce n'est pas une affaire de Mercedes. Ce n'est pas une affaire d'une nouvelle maison. Ce n'est pas une affaire d'être en bonne santé. C'est pourquoi tu ne dois pas être inquiet parce que tu n'es pas en bonne santé. Tu dois glorifier Dieu pour ta santé. Tu dois glorifier Dieu pour tout. Parce que ce que tu as est plus grand que toutes les bonnes choses mises ensemble. Tout ce que le monde peut offrir mis ensemble. Tu as Christ. Tu as Dieu. Tu es participant à la nature de Dieu. Tu es participant à la, à la vie intime de Dieu. Tu es participant à la vie trinitaire de Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sang il y a un grand héritage. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de Dieu, et une puissance qui est à notre disposition. Maintenant, le diable ne peut rien, les démons, les membres de famille, personne ne peut t'arracher d'entre les mains de celui qui te tient et te garde. Les mains du Seigneur ne sont pas glissantes. Ses mains ne sont pas huileuses. Glissantes, il peut vous perdre, vous pouvez glisser, et tomber. Non! Il a dit, personne ne vous arrachera de ma main. Hallelujah! Quel bonheur! C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'haïr quelqu'un pour mon bonheur. Non, je l'ai haï. Pourquoi? Parce que si j'ai raté ce business, c'est à cause de lui. Tu n'as rien raté. Tu as tout en Christ. La Bible dit: Vous avez tout pleinement en lui. Réjouissez-vous, dit le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que ce que vous êtes et ce que vous avez est plus grand. L'héritage qui vous attend. Et la puissance que Dieu a démontrée, cette puissance-là, verset 20, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, Christ est assis à la droite par la puissance de Dieu. Et si elle est assis à là là-bas, ça veut dire que nous sommes aussi assis ensemble avec lui, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. <laughs> c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau et satisfaisant et merveilleux. Voilà ce que nous avons gagné de ce chapitre 1. Voilà ce que nous avons appris. Voilà la, la vue panoramique de ce que Dieu a fait. Waouh! Ça mérite des acclamations à la gloire du Seigneur. Alléluia. Ça mérite des acclamations. Ça mérite de louanges. Ça, mérite, ça doit provoquer de louanges. De louanges même au milieu de notre, dénu, notre dénuement. Surtout quand tu traverses des moments difficiles. Les fiançailles se sont brisées. Cet homme t'a quitté, t'as laissé avec des enfants. Cette femme t'a quitté parce que tu n'as rien. Le diabète t'embête. L'hypertension est en train de, 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 de t'emmerder. Tu n'as pas d'argent, tu es fauché. Tu traverses des temps difficiles. Tu n'as pas de papiers alors que tu es à l'étranger. Tu survis à peine. À peine tu survis. Et le diable vient te chuchoter. Non, et si Dieu t'aimait, pourquoi il te laisse dans cette situation Et ces prédicateurs de fortune du judaïsme moderne aujourd'hui qui viennent te dire non. Tu souffres comme ça parce que les liens des familles, les envoûtements des familles, il y a des réclamations sur ta vie, etc. Non. Tourne-toi vers Ephésiens chapitre 1. Et regarde ces vérités, ces bénédictions qui sont tiennent en Jésus. En Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la, seule, la plus grande bénédiction que tu as s'appelle en Christ. Ça s'appelle en Christ. Si tu le crois, dis amen dans le chat. Alléluia. La plus grande bénédiction que tu as, c'est en Christ. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien à faire pour y entrer. Il n'y a rien à payer pour y entrer. Et d'ailleurs, si tu cherches à entrer en Christ, tu es déjà en retard parce qu'il fallait y entrer avant la fondation du monde. Il fallait y entrer avant la fondation du monde. Et ceux qui sont déjà là-dedans, il les appellera. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis. C'est le Père qui me les a donnés. Personne ne peut les arracher entre mes mains. Vous voyez ça jean 10. Jésus leur dit, verset, verset 26, 25. Jésus leur répondit répond aux pharisiens. Il dit, il dit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle ici, c'est la vie qui fonctionne dans, le, dans la Trinité. C'est la vie dont Dieu vit. C'est la vie par laquelle Dieu respire et vit. Je leur donne cette vie-là, la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. J'ai dû élever le, voix, le, le ton de ma voix pour vous faire réaliser la solennité de cette déclaration qui vient de la bouche de Jésus. Je répète, verset 28, Jean 10, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est très simple à comprendre. C'est très facile, c'est très clair. Il a dit là, eh ben, vous voulez un autre verset ben, Voilà, le voici, Jean 17. Jean chapitre 17. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Verset 6. Et ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé la parole. Et ils ont, et je relis le verset. Verset 6. Jean 10, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Du milieu du monde. Ils étaient tous ensemble, mais Dieu a retiré certains du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi où Et tu me les as donnés. Quand est-ce que tu me les as donnés Quand est-ce qu'il les lui a donné Quand est-ce qu'il a pris Maman Christelle et il a donné à Jésus Quand est-ce qu'il a pris la soeur Chantilly Il a donné à Jésus. Quand est-ce qu'il a pris Anthony, Joshua Kipoulou Il a pris Reine et il a placé en Jésus. Quand Ephésiens chapitre 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez, c'était déjà fait. Et maintenant, Jésus est venu accomplir. Voilà. Et c'est ça Ephésiens chapitre 1. Quel repos. Quel repos dans la vie. N'était pas pas dans la vie comme si quelqu'un... qui dépend de l'issue de ses efforts pour être heureux. C'est pourquoi ce que tu fais, que ça marche ou que ça ne marche pas, ton bonheur est garanti, tu seras toujours heureux et joyeux. Pourquoi Parce que la plus grande bénédiction que tu as, c'est quoi Est-ce que quelqu'un peut me le dire dans... Je l'ai déjà dit ici, il y a quelques minutes passées. La plus grande bénédiction que tu as, c'est quoi Quelqu'un peut me le dire dans le chat J'attends. Je bois un peu d'eau. La plus grande bénédiction que tu as, c'est quoi J'attends. Que quelqu'un me le dise dans le chat. Amen. Amen. Josué Kipoulou qui dit être en Christ. <laughs> et rappelle-toi que tu es en Christ pas parce que tu as marché fort et tu es entré là-dedans. On t'a donné les sept étapes pour entrer en Christ. Il n'y a pas eu des étapes parce que ça a eu lieu avant la fondation du monde. Our greatest blessing is to be in Christ. Amen. Amanda. Thank you so much. Jonathan Biocha en Christ. Ouais. La plus grande bénédiction c'est ça. Donc en d'autres termes, si aujourd'hui tu es devant des problèmes et tu es en train de pleurer, de pleurer et de regretter, de pleurer, tu pleures comme quelqu'un qui n'est pas en Christ. Tu as perdu l'appétit, tu as perdu tout depuis que cette relation s'est brisée, j'ai perdu le nord. Depuis que j'ai raté ce boulot, cette occasion de boulot, j'ai perdu le nord. Non, nous ne disons pas que si tu perds ton père, ta mère, tu perds un membre de famille ou tu perds du boulot, tu, perds, tu ne vas pas être triste. Si tu vas être triste, mais ta tristesse a une limite. Parce que ta tristesse ne peut pas te conduire au suicide. Ta tristesse ne veut pas te conduire à la perte totale de la joie. Ta tristesse ne va pas te conduire au stress, au point que tu deviens malade et l'estomac s'est envenimé. Si tu fais ça, tu es en train de démontrer que ce que tu as perdu est plus important que ce que Christ t'a donné. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, Prie le Seigneur. Dit Seigneur, aide-moi. Tu peux même appeler le pasteur Baron. Dit Pasteur, je peux prendre rendez-vous avec toi. Oui, on prendra rendez-vous où que tu sois. On peut faire le WhatsApp. On va parler. Et je serai là pour t'encourager, pour te révéler ce que Dieu a fait pour toi en Christ. C'est pourquoi les apôtres ont été zigouillés, ont été tués, crucifiés. Comment ces gens peuvent accepter de telles choses Accepter qu'on l'arrête, on lui dit... Paul, Pierre d'ailleurs, on veut le crucifier. Il dit non, ne me crucifiez-moi pas la tête en l'air, le pied en bas comme mon Seigneur. Renversez ça. Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Tuez-moi les pieds en l'air, la tête en bas. Pourquoi il n'a pas dit non, 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 laissez non, laissez-moi. Non, non, en tout cas, excusez-moi, j'ai prêché seulement dans le sens de prêcher. Mais en fait, euh, oui, mais ben, bon, Jésus, il régnait le Seigneur. Non, il n'a pas régné le Seigneur. Il a régné le Seigneur à la croix, mais après la Pentecôte, à cause du Saint-Esprit à cause de la compréhension de ces choses, il n'a pas régné le seigneur, ils ont donné leur vie. Le christianisme n'est pas pour l'argent, n'est pas pour le téléphone, pour les voyages, pour le mariage, pour la stabilité dans le foyer, pour ces choses. Si le seigneur peut nous donner ces choses-là, si il lui plaît de le faire, mais c'est pas pour ces choses-là que nous avons cru. C'est comme ça que certaines personnes quittent les églises, ils quittent cette église, je quitte, non, pourquoi Parce que depuis que je suis venu là, ces problèmes ici d'hypertension, ça ne diminue toujours pas. Hein On m'a donné des prophéties là-bas que non, ben écoutez, il euh, euh, y a un oncle qui est en train de poursuivre, mais mon pasteur ne voit pas mon oncle. Non, je n'ai pas besoin de voir ton oncle. Je vois Jésus. Je vois Jésus, je te présente Jésus, je te parle de Jésus. Parce qu'il est la plus grande bénédiction en Christ. Voilà. Je vais là pour aujourd'hui. Y a-t-il une question que tu as et que tu aimerais poser Merci à maman Mami Moukania d'être là. Merci à notre frère Anthony, Jonathan Biosha, merci d'être là, tous les bien-aimés de Bridge of Grace et ceux qui sont d'ailleurs. Merci d'être là ensemble avec nous. Avez-vous une question Et le numéro de téléphone, de téléphone, vous voulez dire, est en train de défiler au bas de l'écran. Alors si vous avez une question, vous pouvez la poser. Mais en attendant, faites ceci avec moi, s'il vous plaît. Aimez cette vidéo. Vous voyez les thumbs up qu'on a écrit là, qu'on a montré sur, euh, au bas de la vidéo. Donc euh, voilà, aimez la vidéo. Si cet enseignement vous a béni, aimez la vidéo. Dites j'aime ça. Et en faisant cela, si beaucoup de gens font ça, eh ben, nous allons euh, propager la nouvelle de cette vidéo. Et Facebook va encore pousser ça vers d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, please faites-le ce soir. Faites-le aujourd'hui. Même si vous nous suivez en différé, faites-le, abonnez-vous et cliquez sur la clochette de notification. Et du coup, chaque fois que nous sommes en ligne, vous allez recevoir une notification de notre part, vous informant de notre présence en ligne, et ainsi vous allez nous suivre. Alors nous voulons que cette chaîne puisse grandir et que plusieurs personnes puissent s'abonner. Et voilà, de cette manière, chaque mercredi, nous allons nous retrouver avec des centaines, si pas des milliers de gens qui vont suivre. Et, et ce sera à euh, tout. Tout à fait euh, intéressant. Joshua Kipoulou demande est-ce qu'une personne en Christ peut être possédée par un démon Si oui, par quel mécanisme Je dis non, il ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi Parce que euh, Christ, euh, nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas être habités par l'esprit de Dieu et un démon au même moment. Donc, euh, vraiment, euh, c'est n'est pas possible. Nous pouvons être oppressés de l'extérieur. Les démons peuvent nous oppresser des extérieurs, peuvent nous attaquer de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur et venir cohabiter avec Christ en nous. Nous ne sommes pas le temple de Bélial et des, des démons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une fois affranchi, une fois en Christ, vous êtes totalement libre de toute possession démoniaque. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Euh, Joshua qui dit merci beaucoup, pasteur, pour la synthèse de ce chapitre. Voilà, c'était une synthèse, je m'excuse, j'ai pris trop de temps, mais il fallait faire une synthèse qui nous permette de bien cerner. Comme ça, nous allons maintenant avancer au chapitre 2 dès le, euh, le mercredi prochain. Et voilà, c'est une occasion pour inviter les autres. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que je voudrais, par la grâce de Dieu, atteindre plusieurs personnes. Avec cet évangile ici. Si vous avez été béni, et ne pensez-vous pas que plusieurs personnes aussi peuvent être bénies au travers de ce que nous enseignons Certainement oui. Alors si tel est le cas, si vous êtes d'accord avec moi, alors participez dans l'effort que nous sommes en train de fournir pour reprendre ce message à plusieurs personnes. Euh, papa Johnny Moukania, merci d'être là. Euh, euh, alors, euh, comment vous pouvez le faire En partageant la vidéo avec les amis. Et en finançant aussi, en soutenant par vos finances cette œuvre que nous sommes en train de faire, de manière à ce que nous puissions euh, euh, atteindre plusieurs autres personnes. Alors, euh, si vous voulez le faire, contactez-nous par la voie de, euh, téléphonique ou l'e-mail qui sont euh, euh, qui défilent au bas de l'écran. Euh, contactez-nous et voyez, posez-nous la question sur comment vous pouvez euh, contribuer, comment vous pouvez participer à cet effort. De répandre l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et, et voilà. Merci beaucoup, bien aimés enseignants. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre de ce soir, car je ne vois pas encore d'autres questions. Donc je me dis, euh, il y avait quelqu'un qui avait posé un, une question là. When manekba bamogo, une fois sauvé toujours sauvé, n'a jamais été l'enseignement de Jésus Christ. Le croix, euh, le croix, je crois, le crois-tu cela que Jésus Christ dit dans Jean chapitre 11 verset 25-26, est une question de chaque instant de la vie chrétienne. Lisons ce qu'il est en train de dire là. Bamogo, on voit la question qu'il est en train de dire. Euh, Wendmanega, Bamogo, il parle de Matthieu, cha Jean chapitre 11. <laughs> euh, une fois sauvé, toujours sauvé n'a jamais été euh, euh, l'enseignement de Jésus-Christ. <laughs> euh, voilà, on va lire le verset qu'il donne et on va voir. Euh, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ah ben, Je crois. Et pourtant, ce, le verset même que tu es en train de citer, mon frère, ou je ne sais pas, ma soeur, parce que je ne vous connais pas, <coughs> je ne vais pas déterminer votre sexe aussi sur base du nom, um, veuillez m'en excuser, euh, le, verset, le texte même que vous, vous, vous évoquez ici dit exactement l'opposé, dit exactement que Jésus que, affirme, enseigne que le salut ne peut pas être perdu. Quoi. Parce qu'il dit, vous dites, euh, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ne mourra jamais. C'est-à-dire que celui qui croit en Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Il reçoit donc la vie parce que c'est Jésus qui donne la vie. Il est la mort et il est la résurrection et la vie. Vous voyez Et il dit que quand vous passez de la mort à la vie, vous êtes ressuscité. Et ben, vous ne mourrez plus jamais. C'est ce qu'il dit. Donc votre propre texte est en train de vous contredire. Et les textes que nous avons lus dans Jean, chapitre 10 et chapitre 17, disent très clairement que je connais mes brebis, elles me connaissent, et Dieu me les a donné, ils sont dans ma main, personne ne peut les arracher de ma main, personne, personne ne peut les arracher non, de, de ma main. Voilà. Donc euh, nous ne pouvons pas perdre ce salut-là. Et nous, si vous suivez nos vidéos précédentes, vous allez voir, euh, vous allez vous rendre compte que nous avions euh, euh, aborder cette question-là à plusieurs reprises et donner des, 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 des textes bibliques euh, multiples en à à, à, à appui de cette, euh, de cette, de cette doctrine-là, de la non-perte du salut. Voilà. Je sais que c'est une question trop, assez controversée, euh, you know, mais... Euh, le témoignage de, de, de la Bible est unanime autour du fait que ceux qui sont véritablement sauvés l'ont sauvé. Et euh, euh, le sont euh, pour, pour toujours. Euh, Jonathan Biosha qui dit, pourquoi nous avons l'impression que le mal frappe souvent le juste euh, nous avons l'impression... Euh, oui, la Bible dit d'ailleurs ça d'ailleurs. C'est un texte biblique qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi les malheurs point le juste Mais parce que le juste est entouré du, du malin. Et le malheur l'atteint parce qu'il vit dans un monde où il est entouré des ennemis. L'ennemi du croyant, un, c'est Satan et ses démons qui sont opposés à lui. Deux, c'est la, 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 le monde. Hein, le monde, c'est-à-dire l'ensemble de non-croyants qui ne croient pas à l'évangile. Eh bien, euh, ils en veulent aux chrétiens. Et c'est pourquoi nous verrons finalement, euh, au bout du compte, euh, un antichrist qui va se lever du monde et qui va s'opposer à l'Église et qui va s'opposer aux chrétiens de façon ouverte. Donc, euh, cela arrive déjà. Okay euh, euh, et, et, et le dernier ennemi de, 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 du chrétien, c'est la chair. Et la chair. C'est-à-dire cette euh, inclination euh, de corruption que nous avons en nous, euh, qui, qui a toujours tendance à se tourner vers le mal. Euh, et, et quand nous obéissons à cela, à ces impulsions, au mensonge, à l'impudicité, au vol, à la tricherie, à, à toutes sortes de mal que, auxquels nous pouvons être tentés, quand nous laissons, euh, nous donnons euh, accès à cela, et ben, il s'ensuit que les conséquences. Euh, ce sont des malheurs qui nous arrivent. Donc voilà, donc la raison pour laquelle le croyant est constamment soumis euh, à euh, ou euh, le malheur l'atteint souvent, c'est euh, à cause de ses ennemis qui sont autour de lui. Mais ultimement, devons nous dire que c'est parce que Dieu permet cela afin de fortifier la foi du croyant. Pourquoi le malheur arrive souvent juste au, 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 au aux au, au justes ou au, aux chrétiens, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, permet que cela arrive de manière à ce que le croyant puisse le connaître mieux et grandir dans sa foi. C'est pourquoi la Bible dit, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, car l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfait et ne manquant de rien. Vous voyez, donc Dieu permet cela pour que nous apprenions. Il a dit à Pierre :« Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais je prié pour toi afin que, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, que tu puisses affermir tes frères. » Tu vois? Donc, quand tu seras, tu vas te remettre de cette chute là. Eh bien, les, en, les leçons que tu auras tirées de cette expérience là te permettent de fortifier et d'enseigner les autres. Voilà pourquoi le malheur arrive souvent aux chrétiens. Tu, tu as l'impression que ton foyer est secoué, ta famille est secouée, il y a toujours un problème, tu as l'impression que tu ne te reposes pas depuis que tu as créé en Christ, c'est un problème après un autre. C'est justement au travers de ces choses que Dieu est en train de nous faire croître. Ça n'a pas commencé avec toi, c'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas regarder les épreuves qui nous arrivent comme quelque chose d'étrange. Ça arrive aussi aux autres. Et les autres qui A commencé par les apôtres. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à prêcher et la suite c'était quoi On a tué. Euh, le premier martyr de l'Église, Étienne, Acte chapitre 7. Et après ça, ils se sont tous dispersés, on a commencé à les arrêter, à les tuer, à les persécuter. Et vous savez, l'apôtre Paul était l'un de ces persécuteurs qui finalement le Seigneur a converti à la foi chrétienne. Pourquoi Parce qu'au travers de ce malheur-là, de cette persécution-là, eh ben, ils étaient en train de fuir. Et là où ils fouillaient, ils parlaient de Jésus. Et l'évangile se répandait. C'est Dieu qui fait ça comme ça. Pour sa gloire. Mais lorsque on s'imagine, on réalise ce que on a reçu comme la plus grande bénédiction, c'est-à-dire en Christ, être en Christ. Quand on réalise cela, on a l'impression que la, sou la souffrance qu'on endure, c'est un traitement de, fa de faveur. On ne peut pas égaler ça. Peut-dire est-ce que je peux profiter de ces souffrances que je traverse pour tourner le dos au Seigneur dis mais moi, je souffre toujours non, parce que quand je comprends ce qu'il m'a donné, il m'a donné ce que le chapitre 1 d'Éphésiens explique en Christ et toutes les bénédictions qui sont en Christ sont incomparables à la lumière de tout ce que je peux souffrir. Et si je peux souffrir, ainsi j'ai dit, ainsi soit fait, euh, soit faite, euh, ainsi soit-il que la volonté du Seigneur soit faite. Vous voyez pourquoi? Parce que j'estime que les souffrances que moi j'ai endurées ne sont pas comparables à la gloire qui m'attend, à la bénédiction que Dieu m'a accordée en Christ. C'est pourquoi, malgré les souffrances, je m'accroche à Christ, malgré les malheurs, je m'attache au Seigneur, je fais la volonté de Dieu. Vous voyez Jonathan C'est un peu cela quoi. Siméon Cayombo qui dit Mais respect pasteur, je vous ai pris en cours, peut-être que vous l'aviez dit. Mais si les élus et les non-élus étaient en Adam, y aurait-il une préférence, une exception en Dieu Merci pour l'enseignement. Il <laughs> n'y euh, a, a vraiment pas de, de favoritisme en Dieu. Il n'y a pas d'exception de, en Dieu. C'est pour ça qu'il est important, une très bonne question que le frère a posée, nous, nous, nous allons à Romains chapitre 9. Nous allons à Romains chapitre 9 pour trouver la réponse à ceci. Parce qu'il sait qui est vrai, c'est en, 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 en Adam, il y avait les élus et les non-élus. Cependant, les élus avaient déjà été placés en Jésus-Christ. Et les non-élus n'y étaient pas. Alors, y a-t-il acception en Jésus-Christ Donc, y a-t-il de préférence, de favoritisme en, 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 On parlerait de la, du favoritisme s'il y avait un critère donné ou une qualité donnée dans le chef des élus ou de, dans la personne qui est élue qui conduirait Dieu ou qui aurait conduit Dieu à le choisir sur base de cette qualité-là. avant la, Mais le choix ou l'élection, selon Ephésiens 1, a eu lieu avant la fondation du monde, avant que quelqu'un, qui que ce soit, ne pose un quelconque acte ou qu'il ne possède une quelconque qualité. Donc ce qui veut dire que le choix des dieux ou l'élection de dieux n'est pas euh, euh, dépendante, n'est pas conditionnelle. L'élection des Dieu est inconditionnelle et unilatérale. Elle dépend de quoi Si elle dépend d'une chose, elle dépend de Dieu lui-même. Et c'est ce que Romain est en train de nous montrer très clairement en disant ceci. Romain chapitre 9. À partir du verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui viennent d'Israël ne sont pas Israël. Donc il y a des élus en eux, il y a des non-élus aussi en eux. Et pour être la prospérité d'Abraham, euh, verset 7, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Bon. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, ou les enfants biologiques, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Pourquoi Mais vous savez parce que Isaac n'était pas le premier né de Abraham, c'était Ismaël. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai, je reviendrai à cette même époque et et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Donc Sarah a eu un fils de la promesse, était Isaac. Et du fils de la promesse lui-même, lui-même qui était le fils de la promesse, il devait normalement donner naissance aux enfants de la promesse aussi. Mais tel ne fut pas le cas, c'est ce que le texte dit. Verset 10. Et en plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et, et nu se fait ni bien ni mal, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Avant leur venue dans ce monde, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Verset 14. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice C'est la question que Siméon Kayombo est en train de poser. Loin de là, répond l'apôtre. Il est loin de là, il n'y a pas d'injustice en lui. Pourquoi Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ça ne dépend pas de la performance humaine. Donc c'est pas une question de favoritisme ici. Donc ça dépend de Dieu. car verset 17 l'écriture dit à pharaon je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut verset 19 siméon kayombo tu me diras mais pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui, 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 est qui résiste à sa volonté Oh, Siméon Cabo, <rire> Kayombo, <rire> toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés par formé pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dont la réponse est celle-ci, Dieu dans sa souveraineté, il fait miséricorde à qui il veut. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de, de préférence. Lui-même décide unilatéralement. Il y a un mystère derrière que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas expliquer. Et c'est là que se limite notre explication. Nos explications se explications, limitent à ce qui est écrit. Et c'est ne cherchons pas à défendre Dieu parce qu'on ne défend pas un lion. Il se défend lui-même. Si tu veux le défendre, c'est toi qu'il va dévorer. Donc, c'est comme ça. Et il y a des choses où nous devons tout simplement dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Parce que c'est écrit. Parce que tu es plus intelligent que moi. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Voilà. Là, je ne trouve plus de questions. Donc, les questions sont, sont finies. Nous allons bientôt terminer. Donc, euh, je voudrais rappeler que demain, nous avons notre rencontre de la cellule à Kinshasa. À partir de 17h, heure de Kinshasa, nous avons notre cellule qui est une extension de l'église. Euh, Bridge of Grace, euh, qui est ici à Seattle. À Kinshasa, ça s'appelle Pont de Grâce. Nous nous trouvons dans la ville de Kinshasa sur l'avenue de Zuidoris. Euh, si vous êtes intéressé, laissez-nous un message. Nous allons vous donner l'adresse et vous allez euh, vous y rendre si vous êtes là-bas. Et si vous voulez suivre l'enseignement en ligne ou bien vous voulez vous connecter en ligne avec nous à la cellule, vous êtes à Kinshasa ou ailleurs, et eh ben faites-nous signes, nous allons vous connecter. Sinon, le vendredi, nous nous retrouvons pour la prière à partir des 18h jusqu'à 19h30 et le dimanche... Nous nous retrouvons pour notre culte ici dominical à 10h jusqu'à euh, 12h, heure de Seattle. Et vous qui êtes au loin, vous pouvez nous suivre en ligne sur cette même chaîne ici, en ligne, vous pouvez nous suivre et Dieu, peut, Dieu va certainement vous bénir au travers de ces, actes, euh, ces, ces programmes. Alors nous voulons dire un grand merci à tout le monde pour avoir été là ce soir, pour nous avoir accompagnés. Merci. Et merci à vous tous aussi qui nous, vous allez, qui allez nous, euh, nous suivre en différé. Merci beaucoup et merci à notre fils Charmel qui est derrière en train de faire euh, euh, de gérer euh, cette stream, euh, live stream. Merci beaucoup à vous tous, merci à l'église. Et désolé pour le temps, nous sommes allés un peu plus loin parce qu'aujourd'hui c'était vraiment un résumé de tout le chapitre et à partir du chapitre de la semaine prochaine, nous allons nous embarquer dans, euh, euh, dans l'étude du second chapitre de cette euh, épître et gardez-moi dans vos prières, priez que le Seigneur me continue à me fortifier mais de la sagesse pour continuer à, à expliquer les écritures. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Alors et nous allons prier on s'en et on va se dire au revoir. Seigneur, merci pour uh, ces moments que tu nous as donnés. C'était un moment merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour uh, la, la sagesse de l'esprit. Merci pour uh, l'illumination de nos cœurs. Seigneur, merci pour le chapitre 1. Nous l'avons terminé enfin. Merci. et nous voulons entamer le chapitre 2. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à commencer ce chapitre la semaine prochaine. Seigneur, qu'il te plaise de bénir chacun de nous et de bénir tous ceux-là qui ont participé et, et, ce soir et qui vont participer aussi en différé. Bénis tous nos abonnés et tous ceux-là qui n'ont pas pu être avec nous, mais qui vont certainement suivre en, en différé. Bénis-les, bénis leur famille. Que toute la gloire te soit rendue. Merci de nous avoir placés en Christ et cela nous suffit. En nous avons ainsi prié. Amen. <laughs> Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à vous qui avez été avec nous depuis le début jusqu'à la fin de ce premier chapitre d'Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.